Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis trop contente de revenir avec une vidéo où je vais vous présenter plusieurs coupes de cheveux que j'ai réalisées avec cette même perruque. Donc en fait j'aime trop, j'ai eu des perruques bouclées mais pas comme celle-là. Franchement la densité, il y a tout qui va bien comme il faut, les boucles elles sont top. Donc elle me vient de chez Julia Hair, vous inquiétez pas, je vais mettre le lien comme d'habitude. Et donc voilà, je vais faire plusieurs coupes et vous allez voir que c'est très très simple, c'est parti. Donc là j'avais collé ma perruque la veille, donc voilà, il faut démêler tout ça parce que franchement c'était un bordel incroyable. Donc d'abord je vais bien définir ma raie au milieu, donc ça va être la première coupe, donc assez simple, basique, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, il faut définir la raie bien comme il faut et après je vais venir en fait démêler tout simplement les mèches. Et comme c'est des mèches bouclées, bah, je préfère faire ça avec mes doigts. J'ai pas envie de faire ça au peigne ou de brosser parce que ça va gonfler, etc. Ça va très très vite, donc je préfère largement le faire avec mes doigts. Alors comme c'est ma première coupe simple, efficace, que tout le monde peut refaire chez soi avec cette perruque, je vais mouiller les mèches. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'eau. J'ai mouillé, mouillé, mouillé pour que les boucles soient super bien définies. Et voilà en fait, donc là on va voir la différence entre les deux. Vous voyez bien que là les boucles sont plus définies d'un côté. Et quand j'aurai tout mouillé, je viens mettre ma mousse olive oil. Donc là franchement j'hésite vraiment pas à en mettre beaucoup. J'en mets beaucoup parce que franchement c'est trop bien. Après ça hydrate, les boucles elles sont bien définies, c'est super joli. Enfin c'est en fait un effet mouillé que j'aime beaucoup réaliser. Donc voilà pour la première coupe, hein, simple, efficace. Coupe basique, donc voilà, regardez les boucles comment elles sont super bien définies, c'est fluide, etc. Franchement, j'ai rien à redire et j'ai pas beaucoup de pertes. Donc voilà. Pour la deuxième coupe, en fait, je vais prendre des mèches sur le côté. En fait, je vais faire des couettes. En fait, je vais faire des couettes. Donc, je vais venir prendre la mousse en fait que je vais appliquer au dessus. Et comme vous pouvez le voir, et avec ma brosse, je vais venir plaquer les cheveux. Et les attacher par la suite. Alors comme vous pouvez le voir, je tire quand même pour attacher que ce soit assez plat. Bon, je voulais pas trop trop tirer parce que voilà, je faisais beaucoup de coupes à ce moment-là. Donc faites attention à bien coller votre perruque avant. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime bien. Ça change un peu de la raie milieu simple que je peux avoir. Donc on part sur la troisième coupe. On va garder la même base, donc les couettes. Et on va juste faire deux petits chignons. Franchement, j'aime beaucoup cette coupe. Franchement, et... Je la faisais pas souvent, mais j'aime vraiment beaucoup cette coupe. Donc très très simple, hein. On a juste fait des couettes, on vient faire ça en chignon et puis voilà. Donc voilà, ça change, j'aime beaucoup. Donc, je crois que c'est la quatrième coupe, je suis pas sûre. Donc, on m'a souvent demandé comment je plaquais les cheveux pour que ça fasse une queue de cheval basse. Donc voilà, c'est très 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 simple. Je me prends vraiment pas la tête. Je mets juste de la mousse et je plaque avec une brosse pour plaquer tout simplement. Je prends mes mains, je serre. Je serre vraiment comme s'il fallait serrer toute sa vie. Et puis j'attache, hein. Franchement, c'est très très simple. Et vous voyez comment ça se plaque très très bien. Genre bon, après j'ai pas fait attention à la dard, j'avais pas vu. Mais voilà, c'est très très simple à plaquer. Pourtant il y a de la densité sur la perruque, mais à ma grande surprise, je pouvais plaquer ça très facilement. Donc voilà, vous avez juste à prendre de la mousse. Je mets pas de gel ou quoi, je mets juste la mousse et voilà ce que ça donne. Ça change, c'est beau, c'est simple et puis voilà. Donc pour la prochaine coupe, on va faire un autre classique, donc c'est la raie sur le côté. Donc n'ayez pas peur de changer de coupe, hein. Vraiment n'ayez pas peur, vous pouvez ne pas forcément rester que sur la raie droite. Donc là j'ai décidé de faire une petite raie sur le côté, donc là je prends mon peigne à queue et je viens délimiter ma raie tout simplement. Et voilà, donc après je vais venir mettre en forme les cheveux en mouillant encore parce que du coup j'avais manipulé les mèches, etc. Vous pouvez prendre un peigne avec grande dent pour les peigner et après je viens mouiller le tout.
Alors, donc, on va rester sur la même base de l'arrêt sur le côté. Je vais mettre de la mousse. Je vais plaquer et je vais me faire une espèce de frange sur le côté. Donc voilà, je viens plaquer les cheveux sur les côtés et je vais venir en fait tout simplement attacher. Donc en fait là, ça va être une queue de cheval basse avec une frange en fait, on va dire. Donc franchement, j'aime beaucoup ce genre de coupe, par exemple pour aller au travail, etc. Vous voulez une coupe un peu professionnelle entre guillemets, je trouve que c'est pas mal. Donc vous avez juste à mettre les cheveux sur le côté, bien plaquer et attacher comme tout à l'heure. Franchement, c'est des coupes très simples à réaliser, vous inquiétez vraiment pas parce que je suis pas du genre à faire des coupes très compliquées. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc toujours dans la simplicité, on garde la même base. Là, j'enroule juste ma queue de cheval en chignon en fait. Je trouve que ça fait vraiment classe entre guillemets. Bon, après le chignon, vous pouvez bien le travailler, etc. Là, c'était juste histoire de vous montrer que franche sur le côté avec un petit chignon bas, ça peut être très 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 joli. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à bien plaquer vos cheveux au préalable et à attacher par la suite. N'hésitez pas aussi à surtout serrer pour pas que ça tombe. Et voilà. Donc pour la prochaine coupe, on va prendre les cheveux sur le côté. Et là on va faire une demi queue de cheval. Donc ça c'est une coupe que j'aime bien faire. Je sais pas si les gens me suivent sur les réseaux, si vous me suivez sur les réseaux, mais j'aime beaucoup faire cette coupe, surtout avec des mèches bouclées. Je trouve que c'est plus joli qu'avec les cheveux lisses. Donc voilà, vous prenez des mèches en fait en haut. Pas toutes les mèches hein, parce que c'est une demi queue de cheval comme vous pouvez le voir. Donc en fait ça va être comme si c'était la moitié de votre tête. Donc après vous venez vous plaquer, enfin bon là c'était déjà plat donc fallait pas abuser, et vous venez attacher en haut. Donc là comme vous pouvez le voir, j'avais chaud, je galérais, j'étais fatiguée, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette coupe. Bon, comme Océane est toujours dans la stratégie, j'ai fait un enchaînement vraiment très stratégique. Donc, on va prendre cette même queue de cheval et on va l'enrouler en chignon. Ça aussi, je trouve que ça change de la demi-queue de cheval. J'aime beaucoup cette coupe. Franchement, essayez les filles. N'ayez vraiment pas peur de sortir de votre zone de confort parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime partir dans des délires comme ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, surtout avec cette perruque, bah, j'aime bien changer. Donc, on dirait que ça, vous avez plusieurs perruques en fait, alors que c'est la même depuis tout à l'heure. Donc voilà, j'enroule tout simplement, coupe très simple à réaliser, je suis pas partie dans des délires bizarres, donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc si vous en avez marre d'avoir toujours la même tête et que vous voulez des idées, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai les liens de la perruque en bas, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets tout en barre d'infos et je vous fais de gros bisous.